Aujourd'hui, on s'envole pour le Québec avec Yo, qui ne me parle pas depuis ce matin. C'est faux. En vrai, c'est moi qui joue tout le temps à Dragon Ball sur mon téléphone. D'ailleurs, 7h40 d'avion, sans Wi-Fi pour pouvoir jouer à Dragon Ball. Je sais l'avion qu'on va avoir. C'est quoi ? C'est un Airbus 330-300. Je vais aller voir ce qu'il y a dedans, s'il y a le Wi-Fi. Il aime bien les chiffres. Et maintenant, la question que tout le monde se pose sur les réseaux sociaux, après avoir vu la première vidéo que j'ai faite, c'est dans l'avion. Pendant 7h40, quel film de merde on va pouvoir regarder ? Surprise ! À l'aéroport, un enfant était perdu, ils l'ont retrouvé, il avait un t-shirt bleu, et il avait juste un pain au chocolat dans la main, et ils ont fait un appel, et ils ont dit, un petit enfant avec un t-shirt bleu et un pain au chocolat a été retrouvé. Si les parents le reconnaissent au pain au chocolat, c'est que l'enfant va être obèse plus tard. Et après, l'enfant il hurlait, il y a un monsieur qui est venu avec un bébé, il a regardé l'enfant, et la dame de l'aéroport lui a dit, c'est votre fils, et lui a répondu, ah non, c'est pas lui. Dis des choses. On est content, on a un écran tactile, voilà. Et de l'USB pour recharger, mais a priori, il n'y a pas le Wi-Fi. Non. Tristesse. L'astuce contre les films de merde, c'est d'avoir un iPad et de télécharger Netflix dessus. Et il y a plein de séries Netflix que tu télécharges. Voilà. Trousse confort, une boisson alcoolisée et une grignotine. Et le Québec commence déjà dans l'avion. Une grignotine. Il est 13h46 au Québec. Il fait beau. Je crois qu'on est pas mal. Je crois que le Airbnb est plutôt sympa. T'es prêt à partir déjà? Toi, tu veux acheter à manger, quoi. Et on a deux balcons, selon de quel côté le soleil se lève ou se couche. Et on a un frigo dans lequel je pourrais vivre. Et c'est fabuleux parce que, vous ne le savez pas, mais ça a toujours été mon rêve de vivre dans un frigo. D'être un bébé mort et de vivre dans un frigo. La première chose à faire quand on va dans un nouveau pays, c'est d'aller au supermarché et d'acheter des trucs chelous. Voici des Twister Mix, sel, vinaigre et barbecue. Donc c'est bien du pop-corn au goût sel, vinaigre et barbecue. Voilà, bah allons-y. Allez, j'ouvre le paquet. Bonjour. De toute façon, il faut savoir que Yo aime beaucoup manger et qu'il aime tout en général. Je te laisse goûter ou je goûte en plus ? Vas-y. Ça sent très bon. Tu vas aimer, Lévi. Ah ouais ? Ouais. Tu vas aimer. Je goûte. Ouais, vinaigre. Putain, c'est gras. C'est des pop-corn avec un arrière-goût de barbecue. En fait, c'est étrange. Après, je mange un wrap. On est en voiture avec Yo en direction d'Ottawa et j'ai voulu envoyer un SMS via la voiture parce qu'on peut le faire, elle détecte le téléphone. Et donc j'ai envoyé un SMS à ma mère pour lui dire qu'on était en voiture avec Yo en direction d'Ottawa. Et ce qui est génial, c'est que le SMS a été envoyé. Et le SMS disait, on est en voiture avec Hugues Boule, Ottawa. Et donc, maintenant, le vrai nom de Yo, ce n'est plus Lionel Argot, mais Hugues Boule. Tu vas faire du porno ? Oui, c'est mon nom ici. Hugues Boule, le roi du porno. Hugues Boule, the king of porn. Nous sommes à l'insectarium de Montréal et nous allons tester des insectes. On commence par quoi, Yo ? Ça. Le carré de criquet. Ça a l'air très bon, ça. Ça, c'est sûr qu'on ne peut plus s'en rendre. Alors ? Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon, mais t'as pas l'air... Je trouve que ouais. Y'a pas d'arrière-goût bizarre ou quoi que ce soit, quoi. En fait, on sent même pas le criquet, quoi. Non. Il y a tellement de sucre. Passons maintenant aux véritables insectes pas vraiment cuisinés. Hop. Ah, il y en a qui sont tombés, on dirait des crottes. Ah, une pour toi. Ouais. Une pour moi. Et celle-là pour ta bouche. Tu sais pas ce que c'est en plus. Ouais.
Je ne vais pas dire quel goût ça a. Le goût du grillé. Ouais. On dirait des biscuits apéritifs en fait. Oui, mais c'est ça. Hein. Avec des yeux. Ouais, c'est ça. Ah, les yeux, ils ont dû cramer quoi. Ah, l'arrière-goût est. À l'arrière-goût est cramé quoi. Oui, cramé, ouais. Ouais. Ils ont trop fait cuire. Bon, en fait, l'arrière-goût est pas bon. Oui, c'est pas fameux, oui, comparé à ça qui a quand même le meilleur goût. Mais... En fait, il faut que ça soit cuisiné. On aurait dû prendre le burger au grillon, quoi. Parce que, en fait, quand c'est pas cuisiné, c'est juste grillé, quoi. Et on mange des gens morts grillés, quoi. En tout cas, c'est moyen. Cuisiné, c'est bon. Ça, je vais pas finir. Mais je vais manger la glace aux termites. Sur les Fruit Loops, il y a écrit débordante de saveurs naturelles de fruits. En fait, non. Parce que quand tu prends un Fruit Loops et que tu le mets dans ta bouche, c'est pas du fruit. C'est pas du fruit. Sans arôme artificiel. Sans arôme artificiel. Non. Débordante de saveurs naturelles de fruits. C'est pas débordant de fruits, c'est des saveurs naturelles de fruits. Donc à mon avis, c'est des saveurs qui imitent le fruit. C'est pas possible. C'est un goût de médicament. Mais j'en mange quand même. Si tu filmes pas la bande d'arcade, il a vraiment l'air con. Bonjour, bienvenue au tuto beauté de Davy Mourier. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire une tresse africaine. Et voilà, à bientôt. Eh oui, un nouveau niveau à Mario Kart, les chutes du Niagara. Je vais mettre la veste. Et voilà comment Hugues Boule s'habille en week-end. Hugues Boule, the king of poids. Voilà, c'est les chutes du Niagara et on a des sacs poubelles à mettre. Je vous reprends après. Voilà, on est prêt à affronter les chutes. So gay. Oh non, j'ai cassé les toilettes. Quoi, ça sert à rien. Ça sert à rien. Putain. J'ai l'impression de baiser une femme fontaine. Il y en a des goodies au chute du Niagara, tu peux acheter des verres pour ton professeur, ta sœur, ton boss. What? Avec Hugues Boule. Hugues Boule, the king of poids. Nous sommes au Poop Café. Voilà, c'est du caca, hein. Et vous allez voir, on va manger du caca assis sur des toilettes. Voilà, c'est à Toronto et c'est très malin. Vous connaissez Starsky et Hutch? Eh bien, c'est une série américaine. Et à Toronto, on aime bien faire ses propres séries tirées des autres pays. Donc, ils ont fait leur propre Starsky et Hutch à eux. Mais ils ont moins de budget.
avec Hugues Boule. Hugues Boule, the king of poids. On mange ici ce soir, voilà. Il faut réserver 3 mois à l'avance à peu près. Enfin, nous, on a réservé il y a 3 mois pour pouvoir avoir une place ce soir. On va voir toute la ville, ça va être super beau. Et surtout, quand tu réserves, ils te demandent si c'est pour un anniversaire, pour une fête précise ou pour un anniversaire de couple, un truc romantique. Et j'ai coché la case romantique. Donc on va voir comment on va être reçu ce soir. Je pense qu'on peut rire un petit peu. Voilà. À suivre. Et ça tourne. Vous voyez pas bien là, mais le sol tourne en fait. Bon alors, on est en amoureux. Bon, il y a que ça quoi. C'est pas mal. Ouais. Ça fait rien du tout pour tes oreilles. Si. J'ai l'impression d'être en décompression. Comme à la plongée. S'il y a une chose à faire et à voir à Toronto, c'est la fontaine en gloire aux chiens. Oh, oui, oui, la fontaine aux chiens. Voilà, c'est bien un chien qui crache de l'eau avec plein d'autres chiens qui crachent de l'eau. Ceux-là, ils sont pour Marion, mon éditrice. Et pourquoi ils crachent de l'eau? Pourquoi ils crachent de l'eau? C'est parce qu'ils veulent tous l'eau sans or sacré. Aujourd'hui, avec Hugues Boule. Hugues Boule, the king of poids. Nous allons sur les îles de Toronto. Donc, c'est des petites îles qui sont formées sur le lac juste à côté. Et il paraît que c'est magnifique. Les voitures n'ont pas le droit d'y aller. C'est pour ça qu'on y va en bateau. On a hésité à y aller à la nage, mais non. Et là-bas, on peut se déplacer soit en vélo, soit en barque. Et vu qu'on a déjà fait du vélo à Montréal, on se dit qu'on allait peut-être se déplacer en barque. J'ai peur d'avoir mal au bras très rapidement. Ce que vous êtes en train de voir ici n'est ni l'océan, ni la mer, mais bien un lac. Le lac Ontario, si je ne me trompe pas. Donc, c'est grand, parce que on voit pas de l'autre côté du lac. C'est assez fou. On n'arrête pas de parler de front de mer, alors que c'est pas la mer, c'est un lac. C'est de l'eau douce. Ah, Hugues Boule a fait pipi. Hugues Boule, the king of poids. J'adore quand il fait pipi, il est beaucoup plus câlin après. On n'avance pas vite, hein. Y'a que moi qui bosse. Parce que les vacances, ce n'est pas que du repos. Il est 8h du matin, je suis à Montréal. Et je vais enfin faire du sport, de l'action. Est-ce que je vais réussir à atteindre le Mont-Royal? On y va. Alors là, je pense que c'est ça. Après, là. Ouais. Là, je pense, je suis presque, non, je fais le tour, oui, 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 je suis sur le Mont-Royal, yo, je suis sur le Mont-Royal, et tu peux pas venir parce que tu connais pas de chemin. J'espère que tu vas ressortir. Ah, je sais pas si je vais ressortir. Ah putain. Hugues Boule a des gros problèmes de moustiques. Hugues Boule, the king of poids. Alors Hugues Boule, il est allé dans un pharmaprix au Canada. Pharmaprix, c'est des pharmacies où en fait, en gros, tu peux acheter du coca. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça, exactement. Ou ça. Donc là, on est dans une pharmacie. Moi, je m'achète des Aerius parce qu'en fait, mes allergies, elles marchent ici, aussi au Canada. Et il attend qu'on l'appelle au micro. J'ai hâte. Alors j'aimerais bien que ça arrive maintenant, ça serait super pour le gag, mais a priori non. Par contre ici ils ont des miroirs au plafond pour s'ils baissent dans le magasin. Avec Hugues Boule. Hugues Boule, the king of poids. On est aux chutes de Montmorency à côté de Québec, ça ressemble à ça. C'est beau. On est arrivé en voiture, on s'est garé tout là-haut, par là.
Voilà. On a fait le pont. Et on est descendu de ces baraques en bois là que vous pouvez voir. Baraques en bois qui descendent comme ça. Et ici, c'est la station du téléphérique pour remonter, aller au parking pour récupérer la voiture. Sauf que quand on est arrivé là, le téléphérique a fermé. Donc on doit remonter à pied tout ce truc en bois. Tout. Je sais pas combien de marches il y a, mais il y en a vraiment beaucoup. Alors j'ai pris sur moi-même et j'ai appelé un Uber. Voilà, c'était le spectacle raciste. Merci beaucoup. Au revoir. Abonne-toi à ma chaîne, si tu veux. Si tu veux. Et regarde ces vidéos. Si tu veux, je force à rien. Je suis comme ça.